Rappelez-vous, c'était au tout début de la série Track D, nous vous présentions la BMW M1 Procar. Cette fois-ci, place à la version DRM Deutsche Rennen Master des années 80. Bonjour et bienvenue dans Track D. Aujourd'hui, direction la piste de Spielberg en Autriche pour découvrir cette voiture qui fait partie d'un pack issu du groupe 5, donc un pack classique où 3 voitures sont disponibles. La deuxième suivra d'ici quelques minutes d'ailleurs sur la chaîne avec une petite surprise, ce sera une Ford évidemment. Cette BMW est un pur régal, c'est de l'orgasme pour les oreilles, pour tout fan de sport auto. C'est pas tout à fait le vrai son de la M1 comme on l'aime, mais c'est un son assez convaincant et beaucoup de détails, notamment au niveau des freinages, du grincement, de la boîte, du mécanisme de cette voiture. Il y a beaucoup de petits sons et elle est plutôt bien détaillée. Quand il s'agit de parler de la 3D, elle est juste parfaite. Donc vraiment, une voiture que j'ai beaucoup appréciée. Pour moi, un des modes les plus réussis en attendant le vrai mode DRM issu de R Factor 1 qui devait être porté à la base sur Project Cars qui finalement va arriver sur Assetto Corsa. Donc c'est une bonne manière de patienter. Cette BMW est disponible gratuitement bien sûr dans la description. Et si on jette un coup d'œil sur la fiche technique, on a un poids assez lourd d'une tonne 25, mais surtout... une tonne 25 kg, mais surtout 850 chevaux qui nous donnent une vitesse de pointe de 350 km/h. De quoi décoiffer en tout cas une voiture vraiment, vraiment sympa, très, très bien équilibrée et qui est plutôt correcte. Je pensais qu'elle allait être plus compliquée à prendre en main. Et la répartition du poids est tellement agréable et tellement bien faite que ce soit au freinage ou à la relance, elle est d'une balance parfaite. Bref, je me tais et je vous invite sincèrement à monter le son et profiter du son de cette belle bavaroise. À la prochaine, les amis. Oh!